salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sly Cooper, voler à travers le temps. Alors j'ai une grosse surprise pour vous, on va monter un peu le son. Comme j'avais envie d'avancer un peu dans l'histoire, j'ai décidé de récupérer les 30 bouteilles, et oui, en une seule fois. Par contre, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai pas récupéré les trésors, j'ai récupéré deux masques. Bon, je crois que j'ai récupéré deux masques, je me souviens plus trop. Je vais faire une seule fois, c'est aller plutôt rapidement, mon grand étonnement, alors que c'était ce niveau que je craignais le plus au niveau des masques, au niveau des bouteilles. Et là, il y a un masque, mais on ne peut pas y aller tout de suite. Ça sera plus tard. Donc là, on va faire le coffre. Alors, comment on fait déjà? Comme ça. Là, c'est le joystick gauche. Ah non, c'est la manette. Hop, et là, le joystick gauche. Et voilà. Et donc on va avoir un nouveau truc. Œil de Clockwork. Ah oui, ça c'est un méchant dans le 1 et le 2 je crois il me semble. Je sais plus dans lequel c'est soit dans le 1, soit dans le 2, soit les deux, je ne me souviens plus. Alors on a eu un truc, alors je pense que c'est avec ça. Non. Peut-être si. Ah si, je pense savoir. Attendez, on va aller voir un ennemi et voir. Je crois qu'on peut voir à l'intérieur ce qui se cache. J'ai récupéré quelques sous aussi. Qu'est-ce qu'il est? On voit rien. On voit strictement rien. On est à moitié sur le truc. Donc je suis désolé, ça fait longtemps que j'ai pas tout enlevé ces coupures. Je suis content de reprendre. Et c'est pour plein de raisons différentes. Non, on voit que dalle. Bah, on va aller voir à quoi ça sert dans la caserne après cette mission-là, bien sûr. Bah oui, il faut pas abuser, on va pas se retaper deux chargements. Là aussi, un masque, ça sera encore plus tard. Donc, je dis, on va pas se retaper un chargement juste parce que je vois ce que c'est écrit. Au pire, je fais Nice. Mais j'ai la flemme, alors il y a plein de bouteilles un peu éparpillées dans tous les sens. Là, il y a un trésor, on va le choper pour rentrer. Je les ai quasiment tous vus, les trésors. Donc, ça devrait aller, je pense. Bon, tant pis, on l'a pas eu. C'est pas grave. Je sais jamais où faut passer, c'est hallucinant ça. Normalement, il y a un champignon. Peut-être pas de ce côté-là. Attendez, on va essayer ça. J'aurais pu faire ça, 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 et ça. Voilà. Oh merde! Bon d'accord, je fais une petite... Je me suis trompé d'intro. Alors voilà, l'œil de Clockwork. Ah moi ça va bien, c'est vrai qu'il y a la destruction de la microbienne et cela donne la raison à ton assertion de ce repère en Cooper. Ne se débarrasse jamais de lui complètement. La possession de cet objet. Sortirait d'Ableton permet aux joueurs de... connaître la position des bouteilles et des coffres dans le binocom. Oh, ça c'est cool, putain de sa mère. Ah oui, alors là... Ah, je demandais pas mieux. Je demandais pas mieux. Faudra que je teste ça au prochain monde. Alors là, franchement... Je m'attendais pas à ça, je pensais que c'était genre avec des sous ou je sais pas quoi. Donc du coup, les bouteilles, bah, ça va être les doigts dans le nez. Bon, je pense qu'on verra genre à travers les murs, ça, je pense que ça fera un petit truc rouge, enfin, je suppose. Après, je me trompe peut-être, de toute façon, on verra bien. À la prochaine époque, donc ça c'est... Alors là, c'est hyper cool, et les coffres, bah, on s'en fout un peu, parce que moi je sais où ils sont. Enfin, à peu près, enfin je les ai déjà tous vus une fois, quoi. Donc là, on va faire la mission, alors j'ai eu des petits soucis, du coup j'ai dû... À un moment, je suis arrivé à 27 bouteilles, j'ai pas sauvegardé, du coup, je suis redescendu à 13 parce que j'avais sauvegardé à un endroit. Donc j'étais assez deg, du coup, j'ai tout recherché, mais à mon grand étonnement, j'ai pas trop galéré pour une fois. Là, j'aimerais juste qu'on chope un petit peu quelques trésors parce que j'aimerais bien avoir des sous. Alors, je suis à peu près où sont, je suis à peu près. Déjà, je sais qu'il y en a un là. Revenir, c'est avec le projet. Donc, comment on passe déjà? Je crois qu'on va faire le truc en fait.
Ah non, c'est pas. Oui, on peut faire le tour aussi. Combien de temps? 14, 15 secondes. Je sais pas où passer, je sais pas où passer. Ah, ça m'énerve. Ok, je sais où passer. Je vais juste en récupérer un après, promis. On va faire l'émission histoire qu'on avance dans le jeu. Oui, à la base, j'ai chopé une bouteille pour qu'on avance dans le jeu, justement. Donc, on va pas passer un épisode pour les trésors, quand même. Voilà, alors là, c'est nickel. Je l'ai les doigts dans le nez. Hop, voilà. Combien? Pierre couvert de rubis, 150 euros. Ça, c'est côté honneur, c'est quoi ça? Ça perdait. Comme sérieux. Oh là là. Ils sont durs en affaires. Donc, je vous ai pas fait visiter, du coup, mais bon, c'est pas. Moi, je me paumais avant, là, je me paume beaucoup moins. C'est pas très grand, en fait, hein. Regardez, c'est pas extrêmement grand, en fait. Bon, pour moi, c'est immense. Là, on voit l'addition, on voit quasiment tout, là. On voit quasiment tout. De toute façon, là, on va faire une mission de repérage. Hop, voilà. J'ai de mauvaises nouvelles, Sly. Il semblerait que des éléments de la machine à remonter le temps se soient cassés lors de notre atterrissage catastrophe. Il faut que tu retrouves les pièces manquantes au plus vite. Heureusement, le processeur de gestion des trajectoires avancées fonctionne encore. J'ai donc pu déterminer leurs positions les plus vraisemblables. Malheureusement, on dirait qu'ils ont atterri dans des endroits très dangereux. Il semble que le pignon temporel soit tombé à proximité de nids de ptérodactyles. Et j'ai peur qu'un de ces pingouins préhistoriques ait mis les nageoires sur l'encapulateur gravitationnel. Oh, ils ont beau avoir l'air mignons, ces petits voyous sont redoutables. Ça ne va pas être de la tarte, Sly. Prends des photos de leur emplacement et je les analyserai pour élaborer un plan. Mais sois prudent. Je ne pense pas qu'on soit les premiers arrivés à cette fête. Tu vois la structure sur cette montagne? J'ai l'impression qu'il s'agit d'une sorte de tapis roulant. Ça n'a rien d'une technologie de l'âge de glace. Et prends aussi une photo de la machine. Ça ne sent pas bon. Pas bon du tout, même. Mais ouais, t'inquiète, je vais tout prendre en photo. Tu vas être content. Tu as eu des nouvelles de Carmelita? Désolée, Sly. Je pense qu'elle va avoir besoin d'une petite pause. D'une petite pause. Je suis aussi très inquiet pour Pénélope. Je sais, mon pote. Et on va la récupérer. Je peux faire une photo là? Ah non, c'est peut-être mon corps. Ah, mon perso qui faisait flèche. Oh, bah oui, ça fait une croix. Dégage. Ça va bien marcher là. Ça va bien. C'est cool. Je me fais courser. Et j'avais un autre truc à vous dire aussi, mais je me suis un peu... Ah oui, je suis un peu enrhumé. Je me suis enrhumé dans la nuit. Ah, le petit pingouin. Je vais t'avoir du premier coup. Tant pis. Mais parce qu'il se casse dès qu'il voit qu'on essaye de prendre en photo. Bon, quasiment. On va devoir faire ça avec Murray. Vous allez voir, ça va être spécial comme mission. Tiens, donne-moi un très petit sou. Donc c'est cool, là on a trois gadgets hyper bien. L'aimant, le truc qui nous donne plus de pièces, regardez, ça nous donne plein de pièces. Ça c'est considéré comme des caisses. Ça nous donne plein de pièces. Et on a le truc de Clockwork pour trouver toutes les bouteilles et tout. Alors ça c'est juste énorme. Et franchement les bouteilles, moi ça me... J'ai pas trop ce qui me gêne le... What? Ah oui, c'est tout petit. Moi ce qui me gêne vraiment le plus, ça va être les masques. Je vais... Ça va me saouler franchement, parce que les masques c'est pas le plus facile. Parce que ça peut être dans les missions, comme ça peut être ici. Bon, ici, dans les niveaux comme ça, c'est pas trop compliqué à trouver. Le plus compliqué, c'est vraiment dans les missions. Ça risque d'être chiant parce que j'ai pas envie de recommencer tout le jeu. Hop. Hop. Toi, bouge pas, je vais te prendre en photo. Ah, j'ai pas réussi.
Attendez, là je vais la voir. Il fait demi-tour. Non, il fait pas demi-tour. Voilà, nickel. Les pignons, très machin, t'en parles. Mais cet oiseau ne va pas nous faciliter la tâche. Ouais. Mais non, t'inquiète. On en parle quand j'aurai l'air moins appétissant. Oui, t'inquiète. Toi, t'as rien. Toi, bah, t'as un pas loin. Comment je fais? Ah oui, il faut que je prenne la porte. Oui, c'est bon, si je me souviens. Là, d'ailleurs, donc, je pense qu'il y avait une petite bouteille, là, juste là. Juste sur sa tête, là. Hop, voilà. Voilà, mission de reconnaissance, comme d'habitude, un photo. C'est toujours le même principe, même si moi, ça ne me gêne pas trop du tout. Chargeur de jour, je recharge automatiquement la charge de gadget pour mettre la deuil. Oh, ça c'est cool aussi. Courir en chargeant permet à Murray de courir en chargeant avec elle. Ah oui, il faut se souvenir de ça. Ultibon permet à Bethlehem de poser jusqu'à 5 bombes à la suite chaque fois que tu relâches triangle. Ça c'est cool. Ça c'est super cool d'ailleurs. C'est bon, là ce qu'on a c'est bon là. On commence à vraiment rentrer dans le jeu en mode hyper facile, là. Ça va devenir très très facile, disons. Les trésors, on a que 28%, mais bon. Je suis pas encore revenu sur les autres endroits, parce qu'on avait besoin de déguisement pour débloquer d'autres trésors, mais ça, on fera ça à la fin du jeu pour finir tout à 100%. Parce que j'ai envie de finir à 100%. Donc, je risque de vous faire aussi Sly Cooper 1 et 2 et 3. Que je ne connais pas du tout. J'ai pas regardé les let's play dessus, je connais juste l'histoire vite fait. Mais je ne suis pas spoilé du tout, j'ai pas regardé le de let's play. Merde. Ah oui, ça se recharge très vite, effectivement. Je ne sais pas avoir un spreadsheet. Donc, je ne suis pas du tout spoilé, enfin je crois, j'ai pas de souvenir avoir regardé de vidéo dessus. Enfin, j'ai eu la démo du 2, bien sûr, donc je connaîtrai un peu le début du 2, mais je crois que je ne me suis pas spoilé du tout sur le jeu. Bon, les 3, je sais plus. Je me souviens pas avoir regardé de vidéos, en tout cas moi je
Le 1 et le 3, je connais pas du tout, ça je suis sûr de pas connaître. Je sais que je connais un méchant, parce que c'est dans le 2 qu'ils en parlent. Et je sais que c'est un méchant, je sais plus comment je l'ai su d'ailleurs. Mais je sais qu'il y a. Que Clockwerk, c'est un méchant dans le 1 et le, ou le 2, je sais plus lequel c'est. Je crois que c'est dans le 2 où tu dois l'affronter. Je sais plus du tout, de toute façon on verra si je vous fais le let's play. On verra, donc voilà, donc je vous ai fait le 4 en premier. C'est pas logique, mais c'est juste que j'avais envie. Bah, j'avais voulu faire que le 4, mais j'ai eu envie de vous faire le 1, le 2 et le 3, parce que moi je kiffe chercher les bouteilles et tout. Sauf la dernière, enfin sauf les deux dernières, je déteste ça, les dernières, c'est celle que je galère le plus dans le monde. Après émission, on va faire un tour sur le vol. Voleur net pour voir si de nouveaux objets sont disponibles. Ouais, d'accord, je trouve ça toujours rien de la part de Carmelita Bentley. Ne t'en fais pas, Sly. Je suis sûr qu'on aura bientôt de ces objets. Donc, là, il y a du pétrole qui nous explose à la gueule. On va essayer d'éviter de s'en prendre. Je sais pas si ça fait des dégâts. Je veux pas savoir. Je sais plus si je m'étais pris des trucs. Des doigts. Donc, je sais plus si je me suis pris des trucs, du coup, bah, je sais pas si. Je me souviens plus. Ouais. Ah d'accord. J'allais dire faut faire quoi. Que je ne vois pas où faut passer. Ah, je le sais. Il paraît qu'après l'erreur de ce pauvre Joe, le patron l'a transformé en veste pour se gringaler de le paradoxe. Ouais, il me plaît pas beaucoup ce le paradoxe. On dit que la dernière fois qu'il est venu, il a arraché les défenses d'un type. Juste pour rigoler. Aïe. Ouais. Et après ça, accroche-toi pour draguer les filles sans défense. Fais attention à toi, Sly. Tu n'alertes pas les gars. Entendu. J'ai essayé de casser, je sais pas, il y aura peut-être une masque. Ah d'ailleurs, les masques. Faut que je me retourne. Pour vérifier qu'il y en a. Oh, non. C'est là qu'on... Ah d'accord. Ça ne va à rien de casser. Enfin, si on pouvait, ça aurait servi à rien. Je regarde, je vérifie vraiment qu'il n'y a pas de masque. J'aimerais éviter de recommencer l'émission. Hop. Hop. Voilà. Il n'y a vraiment pas l'air d'en avoir. Il y en a quand on s'y attend le moins. Là pour moi. Si, il y en a. Ah d'accord, faut vraiment pas que je les alerte. D'accord. Je sais où il y en a. Je sais où il y en a un. Vous allez voir, vous allez voir. Fais attention à toi. Je sais plus comment je l'ai trouvé. Tu n'alertes pas les gars. Mais entendu. Je sais qu'il y en a un. Avant que ce soit la suite. Je sais pas. Je sais qu'il y a un passage choc là, ça c'est sûr. Ici. Mais est-ce que c'est la suite ou est-ce que c'est pour un masque? C'est la suite. D'accord. Attendez, j'ai pas fini de physical. Là, on voit qu'il calme tout de suite là. Je peux le tuer au moins. Oui, je peux le tuer. Hop, comme ça il va nous foutre la paix. Bon bah c'était pas un masque. Tant pis. Bon tant pis. En avant, de toute façon, vous me direz dans les commentaires si j'ai manqué les masques dans l'émission, bien sûr. Parce que les masques sur le niveau normal, bah, je les prends pas toujours avec vous, du coup, bah, ça va être un peu le bazar. Alors là, si, je crois qu'on glisse. Bon, on glisse, si on ne peut pas. Hop, ça c'est fait. Wow. Je suis content de pas être ce pauvre gars. Ce qui est bizarre, c'est qu'il me dit quelque chose. Attends! Par tous les maillons faibles, Sly, c'est un raton laveur préhistorique. Je me demande s'il pourrait être mon ancêtre. Effectivement, c'est fort probable. Sortons le chat, Sly. J'ai une idée. Et tu dois récupérer cette peau de tigre à dents de sabre. Ne te fais pas repérer par les gars.
Je m'en charge, Bentley. Et une peau de tigre, une. Vous allez voir, là, ça va être cool. Le masque, je sens le masque. Bah, je sens très mal. Pourquoi est-ce que je ne suis pas surpris qu'il soit dans le coup? Le patron de cet homme des cavernes. On dirait pas un peu un... Merde. Je pensais qu'il n'y avait pas besoin d'appuyer deux fois. Oui, c'est bon, arrêtez de me tirer dessus là. Ben ouais, je fais comment moi. D'accord. Je crois que tu devrais utiliser le parasiteur, Fly. Mais c'est pas un peu chaud là? Je sais pas, parce que ça sort quand même de d'un geyser. Tranquille. Alors, j'aime pas du tout cet endroit. Je sais pas si je vous l'avais dit. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est celui que j'aime le moins. Mais ouais, par contre, fallait. C'est bien beau de monter, mais s'il n'y a pas de destination. Ah si, c'est bon. Hop. Voilà, tranquille. Allez, hop, la petite. Non. La peinture de Steve ne le fait pas monter dans mon estime. Laisse tomber la peinture. Cette porte. Bon, laissez parler le vrai artiste, le grand maître de Pickpocket. Comme je disais, j'aime pas trop cet endroit. J'ai rien à envier. Mais par contre, le déguisement est juste énorme. Un petit effort. On va juste attendre un peu. Empêchez ce gros abruti de bouger. Ouais, on va faire ça. Hop. Et voilà, c'est bon. Par contre, il va pas entendre la porte s'ouvrir. Ça, je me demande comment il fait. C'est la clé ! Va chercher la peau de tigre, Sly ! Ça, c'est comme dans le niveau 1, là, on a réussi à ouvrir une porte, c'est n'importe quoi. Là, bon, ça fait ça faisait un minimum de bruit, mais que dalle. Excellent, Sly ! Récupère cette peau de tigre ! Et devinez ce quoi ? La peau de tigre, bah, c'est le déguisement. Et ce déguisement, alors là, il est juste... énorme, on va pouvoir se faufiler entre les pierres. Un masque! D'accord, c'est un miroir. Celui-là, je l'avais pas eu par exemple. Ah ouais, ah ça fourbe! Ah, ça rebondit. Ah ouais, d'accord, faut se repérer par rapport au miroir et savoir qu'il y a un truc là. Enfin, ou alors tu regardes derrière le lit, mais ça ne m'était pas venu à l'idée. Tu récupères la peau. Il est sérieux là? Ah d'accord. C'est pas vraiment ma couleur, mais ça ira. Voilà, costume de danseur. Bien joué, Sly. Ne reste pas là. Oui, donc là on avance, il le repère, sauf si on fait ça. C'est on fait le mort. Comme ça. Dans ma vie. Si je m'y connaissais en biomécanique. Du coup, c'est cool. Et donc c'est bien un déguisement, je vous le confirme. Je pensais que c'était où il y avait notre ancêtre, mais non, pas du tout. C'est pour ça que je me disais, il n'était pas dans une cage avant. Hop, tranquille. Bon, ça va, c'est. Je vous dis, de toute façon, c'est pas un jeu compliqué, donc. Enfin, pour l'instant, la suite, ça se complique un peu, mais bon. J'ai jamais vraiment été bloqué dans le jeu, hein. Il n'est pas hyper dur. Donc, franchement ça va, c'est j'aime bien ce genre de jeu. Les jeux faciles avec des bons checkpoints, que tu ne rattrapes pas toute la mission, parce que tu es mort une fois, en combien de temps? Ah oui, 24 minutes, ok, d'accord. Bon, peut-être avancer un peu plus vite là, non? Oui, bah attends, j'aimerais...
ouais, ne pas me prendre le... l'essence ou je sais pas quoi là. L'essence. L'huile. Je sais pas comment je peux appeler ça. Soyez contents avec ce bâton, le plus ça sera assez. J'ai pas toute la journée. Et voilà le travail. Voilà quoi. Maintenant, je veux parler à votre poste de mon évolution. Je crois que ce sont les gardes sur les colonnes qui le surveillent, Sly. Débarrasse-le et il sera libre. Ça a l'air ça. Toi, tu l'as, Sly. S'il te voit, tu ne pourras jamais le sortir de là. Voilà la situation idéale pour ton super tourbillon. Tourbillon. Ok, nouveau nom. Voilà, ça sent le gros masque caché à l'arrière. Et bah non, même pas. Alors c'est parti, alors on va commencer par le premier. Hein. Voilà. Le deuxième. Ah non, attends, il faut que je me recharge. Parce que j'ai une barre de mana pressée là. Enfin, le truc là. Il faut qu'il se recharge à chaque fois. Donne-moi les pièces. Ah, je récupère même pas les pièces quand elles tournent. C'est nul ça. Je me souviens même pas. Maintenant. Hop, voilà, tranquille. Comme ça. Qui sais-je dire? Bah non, on s'est jamais vu. Mais d'après mes sources, il semblerait qu'on ait un lien de parenté, éloigné. Je sais pas trop quoi dire. C'est vraiment génial de te rencontrer. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Sly. Sly Cooper. Et toi? Un ancêtre, on a eu la chance de tomber sur le bon ancêtre, hein, parce que je vous rappelle qu'on a bah, que Bentley il a balancé un truc, donc on a à 60% de coffre. Nous ramenâmes Bob au refuge sain et sauf. Nous tombâmes tous immédiatement sous son charme. Et lui, sous celui de nos gadgets. Pendant qu'il s'amusait, Bentley traça le profil de son ancien ravisseur. Il s'appelait Grise, et il s'était fait un nom dans le domaine de l'art. Autrefois simple petite frappe, il avait été projeté sur le devant de la scène quand un artiste pop très en vue l'avait sorti de la rue et rendu célèbre. Avec ses œuvres primitives, Grise avait lancé un nouveau style appelé le paléo-graffiti qui l'avait propulsé au rang de célébrité pendant un temps. Mais son rêve s'était effondré quand les gens avaient compris que son art était, comment dire, nul. Amer, il avait renoué avec son passé de criminel et était rapidement devenu le voleur d'art le plus recherché par Interpol. Nous savions désormais comment l'une des cibles principales de Carmelita avait pu lui échapper si longtemps. Quand Bob eut fini de jouer avec le matériel de Bentley, il nous expliqua comment Grise était apparu et avait commencé à récolter tous les œufs de ptérodactyles de la région, mettant un terme à son rôle d'approvisionneur de la tribu et de voleur d'œufs hors pair. Déprimé, il s'était laissé aller et avait fermé la main. Grise avait ainsi pu le capturer et s'emparer du nouvel outil qu'il avait inventé pour voler les œufs. La toute première serpe Cooper avait donc été volée aussi. Génial. Nous avions certes sauvé Bob de la reine, mais nous devions encore découvrir quel genre d'opération Grise menait pour le paradoxe et pourquoi il avait besoin de voler tous ses œufs. Nous avions aussi besoin de l'aide de Bob pour trouver les pièces manquantes du van.
Pour cela, il fallait le remettre en état grimpé, vite. Voilà, à peu près tout, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Donc on est, je disais, on a 60% des coffres et des bouteilles, donc il nous reste 40%, parce que ça va exploiter. Donc alors, courir en chargeant, permet à Slide de courir en chargeant avec Louis, ok. Et tir chargé maintenir, puis relâche R1 pour libérer un redoutable tir chargé. Bon, ça c'est pour Carmelita, mais on l'a plus avec nous. Du coup, c'est pas super. Voilà. Comme ça, je me souvenais pas de ça. D'accord. Ok. Donc, on va faire un petit tour avec Bob, vite fait, histoire que je vous montre. On va faire un petit tour avec Bob et on va récupérer un ou deux trésors. Je pense qu'on a le temps. Ouais, non, on n'a pas le temps. Je vais voir ce qu'on va faire. Le jour où Dimitri a utilisé les plumes de Clark Gregg. Il l'a déjà dit, enfin je crois. Désolé, j'ai oublié. Blablabla. Alors, voyons. Qu'est-ce que tu sais faire déjà? Il peut faire ça. Il peut faire ça. Il peut faire ce qu'on vient de faire là. Comment j'ai fait? Ah oui, d'accord. Et il peut faire ça. Il peut rouler en boule. Attendez. Pas faire autre chose? Ah oui, je peux faire ça, mais ça on se fout. Bon, je crois que c'est tout. Ça a l'air d'être tout. On va juste aller voir quelque chose. Je sais pas si on peut le faire là. On va bien voir, de toute façon. De toute façon, voilà. C'est là, oui, c'est là. Limite. Est-ce que tu peux t'accrocher? Non, tu peux pas encore t'accrocher. Bon bah ça sera plus tard. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi j'ai bien aimé le tourner, surtout qu'on a eu le truc de chlorpoil qui nous permet de voir les bouteilles et les coffres. Donc du coup ça c'est juste énorme. Ça va beaucoup nous aider pour la suite. Alors les trésors, on verra ça au prochain épisode. On va essayer de récupérer un maximum au prochain épisode. Je vais peut-être l'enchaîner, je ne sais pas. On verra si je suis motivé, parce que je vais manger quand même, parce que j'ai faim. Parce que j'ai pas pris mon petit déj. Parce que là, il est 9h. Oui, il est 9h. Du coup, enfin 9h30, du coup, bah, j'ai faim. Je vais manger mon petit déj. Et au pire, on s'en fout. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Bon, on se retrouve soit demain matin pour une nouvelle vidéo. Parce que si. Enfin, là, cette vidéo elle va sortir dans la journée. Donc la deuxième, soit je la tourne demain matin et elle sort demain dans la journée, soit je la tourne tout de suite et elle sortira dans la nuit, dans la matinée, enfin bref. Donc, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve, bah, si vous l'avez déjà dit, j'en ai marre de répéter tout plein de choses. Bon bah salut.